aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la réception de l'échange avec la Fimo Deli. Donc cet échange on l'a discuté sur Instagram. Et donc je tiens à la remercier de tout. Donc vu que je suis curieuse, j'ai déjà tout regardé, j'ai tout emballé, voilà. Ça c'est à chaque fois que je fais des échanges, je tiens à dédicacer Cria à elle, avec qui j'ai fait un échange mais je n'ai pas fait la vidéo parce que je n'avais plus trop envie de faire la vidéo. Donc je m'excuse encore mais je te fais une petite dédicace. Donc du coup on va commencer, alors je m'excuse si ça bouge de temps en temps parce que j'ai mis un nouveau système de cadrage, c'est un trépied, pas un trépied, une perche à photo. Donc voilà, du coup bah, je vais commencer par la petite lettre, donc c'est écrit comme ça, voilà, et c'est dans une jolie petite pochette. Alors on a déjà le petit mot qu'elle a découpé en cœur. Choufimo, je suis contente de faire cet échange avec toi. J'espère que l'échange t'aura plu. Et ma petite carte aussi, j'espère qu'on en refera d'autres. Gros bisous, Élisiane. Donc par contre, je suis désolée si je le prononce mal, ton prénom. Je ne sais pas si ça se prononce Élisiane ou Élisiane. Je pense Élisiane avec un accent, voilà. Et merci pour cette petite lettre. Et oui, j'espère qu'on en refera d'autres, pardon. Et dedans, j'ai vu qu'elle avait mis des autocollants. Donc je suppose que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, c'est un moustache avec des lunettes et ça doit être une moto, je sais pas, voilà. Et du coup bah merci pour la petite lettre et les deux autocollants. Et donc voilà l'échange principal, donc on va commencer par l'échange et après le cadeau. Voilà le grand sachet, je trouve ça bien présenté. Donc déjà en premier on a des petites microbilles dorées, donc il y en a un tout petit peu mais c'est bien, ça peut servir. Après on a, je crois que ça c'est des paillettes blanches. Donc voilà comme elles sont. Après on a un gros paquet de faux sucre blanc. Donc en fait c'est juste du sel. Et moi bah, je voulais prendre comme ça même si j'ai déjà du sel chez moi. Ça je crois que c'est du faux sucre violet. Donc la couleur est vraiment super jolie, on voit pas trop à la caméra. Excusez-moi, ça fait pas la macro. Donc voilà le petit sucre. Donc voilà, j'ai changé de cadrage parce que ça bougeait trop. Et surtout, j'espère que vous m'entendez mieux parce que j'ai essayé de faire un système de micro assez compliqué. Alors, dans le sachet, on a des petites paillettes comme ça. Alors ça, c'est vraiment trop chou. Je pense que je les mets dans une fiole. Donc en fait, c'est des petites paillettes étoiles. Donc dans un mini sachet, j'adore les mini sachets comme ça. Après on a des pépites de chocolat, donc je vais vous les montrer de plus près. Donc voilà comment elles sont assez petites et c'est pratique. Dans du papier bulle, il doit y avoir une fiole. Donc voilà, je la déballe vite fait. Et en fait je te l'avais demandé sans bouchon, je me souviens plus mais j'ai peut-être... J'avais peut-être une idée en tête avec une fiole sans bouchon, mais voilà, merci quand même. Hein. De toute façon, je te l'avais demandé. Après, on a un... Excusez-moi, ça a coupé. Donc ensuite, on a un sachet avec vraiment plein de perles. Et j'aime bien les perles Shambhala comme ça. Et j'avais demandé aussi ces perles parce qu'il y avait des perles qui ressemblaient un peu à des hand spinners. Mais je viens de voir que j'en avais déjà. Donc voilà pour ce sachet. Après, on a, excusez-moi, un petit sachet avec des rubans. Donc, en fait, c'est des rubans d'emballage cadeau. Et c'est vraiment super beau. Il y en a un violet, un argenté et un rose. Donc, les trois sont à paillettes. Après, on a un petit sachet avec des pailles. Donc, je ne sais pas pourquoi je t'ai demandé ça. Parce que je pouvais les faire moi. Mais c'est pratique, ça peut toujours servir. Après on a un sachet comme ça et je vais l'ouvrir. Donc dans ce sachet il y a déjà trois nœuds, un comme ça, un avec des motifs et un orange. Un anneau de porte-clés, un mini bâtonnet et on a trois breloques dont une aile comme ça, un hippocampe et un dauphin. Et après on a encore un autre sachet avec plein de choses, donc je vais l'ouvrir. Il y a déjà un bout de ruban avec des pommes, des petits fermoirs cordons comme ça,
une jolie petite fleur bleue. Elle est vraiment magnifique. Une perle étoile, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Un grelot doré. Et deux petites étiquettes Nutella. Et ensuite, on a des petits miroirs. Comme ça, des mini, ils sont vraiment super mignons. Et maintenant, on passe au cadeau. Il y a déjà un papier chocoboom comme ça. Un papier régalade comme ça. Un gros aimant, donc il est vraiment énorme. Donc tout simple. Un cabochon en verre. D'ailleurs, il est cassé. Il y a une fissure là, ici. C'est pas très grave. Voilà. Une petite broche comme ça. Deux pailles. Une perle verte. Une paire de boucles d'oreilles bronze. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle avec le truc où c'est plat. Là, il y a une calotte. Deux fermoirs pour les élastiques. Donc, je pense que c'est ça. Et là, on a un gros clou à œil, un gros piton, voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis super contente de cet échange, je te remercie encore. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!